Ah, tiens, jeune héros, tu es en quête d'une aventure peuplée de capes et d'épées, et de monstres aussi féroces que ta sœur. Ça tombe bien, j'en ai justement une sous la main. Alors arrête de te palucher et viens voir ce que te réserve le monde de Pillars of Eternity. Allez, viens, viens, on est bien. Et bonjour à tous, ici c'est Music Box, et on se retrouve dans cet épisode numéro 1 de Pillars of Eternity. Oui, d'ailleurs, je préfère prévenir tout de suite ceux qui me découvrent avec cet épisode 1 en pensant que c'est le début du let's play. Ce let's play a commencé avec l'épisode 0, donc si ce n'est pas fait, allez directement voir l'épisode 0 si vous voulez voir la création du personnage, ou du moins, en tout cas, à la fin de la vidéo, le début de l'histoire. Et pour les autres qui m'avaient suivi avec l'épisode 0, nous voici donc pour la suite. On va entamer donc normalement ce qui doit être quelque chose comme le prologue, je pense bien. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis motivé pour entamer la suite de cette aventure avec vous. Et nous allons démarrer tout de suite. Bon, très bien, très bien. Nous devons aller récupérer, alors je vais dézoomer un petit peu, nous devons aller récupérer des... je crois que c'est Tab en fait pour aller voir divers éléments. Voilà, où est-ce qu'on peut aller récupérer des objets, etc. Nous avons réussi à ouvrir ce coffre. Je vois que j'ai des trucs sur moi déjà qui sont dus à la précommande du jeu normalement. Promesse de Gaune. On verra ça pour afficher les détails. Confère promesse de Gaune. Anneau valeur 410 CP. Cet objet protège celui qu'il porte de la myriade de dangers qui sévit dans le monde des Aura. Gaune est l'une des formes du dieu Eotas. Il présente la mort. Il représente la mort, pardon, et le grand âge, symbolisé ici par les nombreuses faucilles entrecroisées qui forment un anneau, tandis que Gaune protège la dignité des personnes âgées. Ses fidèles s'engagent à empêcher les jeunes d'être emportés avant l'heure. Et ensuite, vous avez ici un animal de compagnie, apparence hors du commun de ce minuscule cochon géant, semble être à l'opposé de son comportement attachant. Il vous suit partout consciencieusement et ne demande en retour que l'expression de votre camaraderie. Il sert à rien si ce n'est avoir un porcelet spatial miniature géant en référence à Minsk de Baldur's Gate avec son hamster géant miniature de l'espace. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc ça, on va retirer. Je vais juste récupérer ça. Potion de résistance. Tiens, d'ailleurs, je vais aller regarder dans l'inventaire. Je vais regarder à quoi ça sert. Utilisateur plus 54,4 de résistance. On va en avoir sans doute besoin à des moments. Procure immédiatement un regain d'énergie, rétablit la vitalité et la détermination des voyageurs les plus hagards et fatigués. Voilà, ça redonne des points de vie en gros. La résistance c'est le nombre de points de vie et la santé c'est encore différent. C'est une autre barre je crois, mais ça on aura l'occasion de voir ça plus tard. Alors est-ce que je peux utiliser ce truc? Merde. Je crois que je viens de faire une connerie. Attendez. Il y a un bug en fait, du coup je vais charger une partie. Il faut pas que je double-clique pour m'équiper d'un truc. Sinon je peux entraîner des soucis. Donc on va éviter, bien entendu. Voilà. Si on s'équipe d'un truc, il faut absolument penser à le mettre comme ça, en fait. Du coup, je vais avoir un petit animal de compagnie, et ça, je ne sais pas du tout à quoi ça me servir, mais ça va me donner protection. Promesse de Gaune, je sais pas ce que ça fait, promesse de Gaune, c'est le problème. Est-ce que je peux voir ici? Promesse de Gaune, d'accord. Deux par repos, c'est un soin, régénère une portion modérée de la résistance de son utilisateur à chaque utilisation. Ok, c'est cool. Alors, on a un autre coffre par là. Nous avons dedans une armure en maille. Non, c'est l'armure en maille, c'est moi qui ai ça. Les vêtements de Deerwood, armure légère 0. Ça donne résistance 0, vitesse de récupération 0%. Ah, mais vitesse de récupération de quoi en fait? Parce que là j'ai l'armure de maille, ça donne récupération de moins 45%, mais c'est quoi la vitesse de récupération des points de vie? Je ne sais pas. Ou de la fatigue en fait, ça doit être ça. Ça doit être ça. On verra plus tard. Je vous prends quand même au cas où. Même si ça sert à rien, peut-être que ça se revendra.
Alors, potion de régène. On veut. Et des cuivres. Potion de régénération, on va voir à quoi ça sert également. Utilisateur, résistance pendant 12 secondes. D'accord, ça rajoute au fur et à mesure de la résistance. Ça redonne pour les gens fatigués en gros. De la vitalité ou un truc comme ça. Bref, alors j'aimerais bien voir la carte. Je pense qu'on doit appuyer sur M pour la map. Voilà. Il y a Eodan par ici. Par là en haut, je crois pas qu'on puisse monter. J'ai pas l'impression. Je vais devoir me déplacer avec mes flèches à des moments donnés. Je crois que j'ai pas trop le choix. La vitesse de caméra est assez petite. Eodan. Eodan, mon cher ami. Vous voyez un homme porter des habits simples mais soignés. Il est obsédé cependant par une déchirure dans l'harmonie de sa tunique. Il secoue la tête et rit lorsqu'il vous remarque. J'ai apporté tout un chariot de marchandises à vendre, mais pas assez de chemises pour la route. Il se gratte une joue avec ses poings. Elle est recouverte d'une barbe de 3 jours, comme s'il ne s'était pas habitué à se raser sur la route. Dis, vous avez besoin de quelque chose? J'ai des fournitures de voyage, basiques, à vendre si vous voulez jeter un œil. Ok, voyons ce que vous avez. Peut-être que je pourrais m'acheter des nouvelles armes et tout. Les boutiques vous permettent d'acheter ou de vendre des objets en échange de pièces de cuivre ou d'objets disponibles dans l'inventaire de la boutique. Les marchands vous achèteront vos objets à un prix nettement moins élevé que celui auquel ils revendront. L'inventaire des boutiques est régulièrement réactualisé. Je peux acheter plein d'armes, bien entendu. Sachant que moi, j'ai sans doute de la merde sur moi. Je n'en sais fichtrement rien. Il ne montre pas ce que j'ai de dans mon propre inventaire. Bon, j'ai déjà des trucs de base, donc pour l'instant, j'ai rien acheté. À la limite, des têtes des crochets, ça peut être intéressant. Non. C'est 38 le crochet, c'est quoi le truc? Pourquoi c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi je peux pas en avoir... D'accord, je vais en prendre un, au cas où. Le reste, je vais garder mes thunes. Hein. On va se déplacer tranquillement vers la suite. Ah, voici quelqu'un d'autre. Sparfel. Vous apporte votre eau bientôt. Y a pas le feu en haut ruisseau. Très bien. Parce que là, on peut aller vers plein d'endroits. Alors, attendez, on peut récupérer des trucs. Herbe d'admet. Qu'est-ce que ça fait, cette herbe? Ça doit sans doute être pour crafter des trucs. C'est mis dans un truc d'artisanat, c'est ça? Ah, je n'en sais rien. Nourriture. Je sais pas du tout, hein. On va pouvoir fabriquer des trucs, crafter de la nourriture et tout. Mais là, je n'ai absolument aucune indication de plus. Alors, ce chemin serpente à travers un 3 canyon jusqu'à l'endroit d'où vous venez. Sur la route, des sillons témoignent du passage de centaines de caravanes. Ok, c'est de là d'où on vient. Ah ouais, premier combat. Les combats de Pillars of Eternity reposent sur un système en temps réel qui peut être mis en pause. Dans la mesure où vous devez souvent contrôler plusieurs personnages simultanément, n'hésitez pas à mettre le jeu en pause pour donner des ordres, puis à répondre en temps réel pour voir le résultat. Pas répondre, mais reprendre, malheureusement. Alors, à partir du menu options, vous pouvez également mettre... Automatiquement, le jeu en pause lorsque certaines conditions sont réunies, ça je le savais. Alors, nous avons 2 jeunes loups par ici. Mon personnage ne va peut-être pas utiliser de sort dans l'immédiat, on va juste faire en sorte qu'elle prenne l'aggro. Sachant qu'elle est plutôt... on va renverser direct un... Voilà, un loup. Pour l'instant, on va venir par derrière lui défoncer le pauvre petit loup. Bon, ça va, elle prend un peu cher, mais tout va bien. Alors, je sais qu'il y en a 2 par rencontre, donc on peut utiliser 2 fois par combat, donc allons-y, faisons-nous plaisir. Hein. On va le renverser, voilà. Ok. Je vais d'utiliser mes sorts directement avec mon perso. Je sais que je peux en utiliser... J'ai pas besoin de charge, en fait, il suffit que j'ai 10 de concentration, donc je peux avoir des sorts à l'infini.
ce qui est plutôt pratique. Donc je penserai à les utiliser assez souvent quand même, il faudrait, ce serait pas mal. Alors, je peux récupérer des pots de loup. Est-ce qu'on a, on a des trucs par là-bas, ouais. On a des plantes. Voilà, c'est les fameuses baies de printemps. Odema dit que vous êtes un travailleur. Acharné, j'étais forgeron. Alors, je peux dire cuisiner, maçon, etc. Je vais pas dire maçon, parce que sinon on va me prendre pour un portugais. Je vais dire j'étais cuisinier, hein, c'est plutôt assez vrai. D'une certaine manière, j'étais cuisinier. Ah oui ? Comment se fait-il que vous veniez par ici ? J'ai travaillé pour une intolérable merde. Alors, j'ai craché dans un... Je vais lire les réponses et je ne dirai que ma version, peut-être. Ah, c'est horrible, vous pouvez dire j'ai une liaison avec le mari d'une femme riche et elle a placé un contrat sur ma tête. Genre, j'ai eu des relations gays avec son mari. Ah, mon Dieu. Mes compétences ont dépéri bien trop longtemps dans cette cuisine. Nous avons tous des casseroles qu'on aimerait bien oublier. Les dieux savent que j'en ai, je vous le dis. Il faut espérer qu'elles ne nous poursuivent jamais. Kalissa respire dans son environnement. Cela fait longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais je l'ai toujours aimé. L'offre du seigneur Redric fait réfléchir une fille. Je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme tous les autres ? Non, je ne fais que passer. C'est généralement le cas avec la grande ville. Un tout petit peu plus loin sur la même route. Où allez-vous ? Nulle part en particulier, je mets juste à cette distance entre moi et mon ancienne vie. Qu'il est possible de le faire. Je vais continuer jusqu'à la ville, voir où cela me mène. La plus proche est la baie du défi, la capitale, à quelques jours d'ici. On y trouve de jolis endroits et d'autres moins jolis, comme dans toutes les villes. Mais le duc est un homme bon, paraît-il. De toute façon, je perds mon temps ici. Odema m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Parlez-moi de vous. J'ai des besoins simples, j'aime les ciels ouverts et les vastes horizons. Je m'adonne à un travail qui me permet de vivre ainsi. Ma famille vague, elle aussi. Nous avons commencé dans le Deerwood, mais mes parents ont fini dans les terres vivantes. J'ai un frère à Rawatai et un autre à Naedir. Ma sœur est dans la vallée dorée. Elle est la seule du genre casanier. Très bien, retournons au camp. Si j'étais vous, je m'attendrais pas à ce que Sparfel vous rapporte bientôt de l'eau. Il fait ce qu'il lui chante, et quand ça lui chante. Nous devrions d'abord vérifier s'il va bien. Le gifler un peu. Le ruisseau n'est pas loin d'ici, allons-y. Allons vous chercher votre eau. Ah pardon, c'est elle qui disait ça, allons vous chercher votre eau, à moi. Excusez-moi, je croyais que c'était ma réponse en fait. Collecter des baies pour concocter un remède, retrouver Sparfel, ok. Du coup on a les baies, mais... Je vais continuer à aller me balader parce qu'il y a sans doute des trucs à faire. Vous voyez, il y a des dames brûlées, tout ça. Je sais pas tout ce que c'est que ces trucs en fait. Parce que je les récupère, mais ça va pas dans mon inventaire. Peut-être ça va là-dedans. Non, là je peux juste trier entre les armes et les trucs, ok. Il me fait triper ce petit cochon. Alors, map, parce que là, il y a encore tout un paquet de maps à faire. Je vais juste faire un petit F5. Voilà. Ce qui est cool, c'est que la sauvegarde se fait directement, pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Je suis un peu dans la merde, parce que je vais bouger la carte avec mes touches de clavier. Ce qui m'embête légèrement, hein, pour tout vous dire. On va continuer à visiter la carte. Oh, un daim. Reviens par là, mon petit.
En fait, je crois qu'on peut faire vraiment le tour de la carte et il se passerait que dalle, quoi. Ah, des voyageurs, sans doute, ou des pilleurs, ou des bandits. Un mauvais signe, de toute façon, vous l'aurez compris. Alors, je sais pas qui c'est qui a dit ça. Personne n'a dit ça, en fait, je crois que c'est juste un message de base. Le cadavre est froid au toucher, il s'en dégage par vagues, une odeur de putréfaction, une tache de sang foncé, écroutée sous votre vêtement, là. Une armure en cuir. Armure intermédiaire, peut-être c'est le genre d'armure que je dois porter sur mon perso. Parce que là, mon perso a l'air d'avoir une armure en maille assez... Ah, c'est une armure intermédiaire, donc autant prendre, garder une armure intermédiaire un petit peu plus... Un petit peu plus mieux. J'aurai du mal hein, à bouger les trucs par ici. Ok, il va falloir que je traverse le pont. Pas avoir le choix. Tout le reste de la map, de toute façon, on peut rien faire. Donc on va juste voir s'il y a des petits trucs cachés encore de l'autre côté. Ah. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et vous trempez votre outre dans l'eau glacée, pendant que Kalissa monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement la limite des arbres. Sparfel, l'un des guides, émerge entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière, ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui, et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Kalissa fronce les sourcils. « Sparfel, vous allez bien ?» Sparfel trébuche un caillou... Sparfel trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates, comme un drapeau ennemi. On se fait attaquer ? Une embuscade ! Et merde ! Alors, 4 mises à jour, un moment de répit. Atteignez le camp. Ok, bon d'abord on va devoir se battre. Il va falloir qu'elle aille s'occuper de lui. Moi, je vais m'occuper de l'archer de merde. Alors, je vais d'ailleurs m'occuper de lui balancer un putain de... Ah, on peut peut-être faire quelque chose d'assez sympa. Si j'arrive à balancer un sort depuis là-bas jusqu'à la cible, on va voir si je peux balancer ma vague mentale jusque là-bas. Non, malheureusement non. Ah mais c'est pas la vague mentale que je voulais. En fait, j'ai pas le sort qu'il me faut. Juste balancer un choc de lame là-bas. Merde, c'est trop loin. Parfois, une arme ou un sort ne permet pas de pénétrer la réduction des dégâts d'un ennemi. Lorsque l'attaque atteint sa cible, la RD encaisse la quasi-totalité de l'attaque, sauf un faible pourcentage. Vous entendez d'ailleurs vos personnages s'en plaindre. Tenez-en compte en notant le type de dégâts paré et en choisissant une arme ou un sort qui inflige un autre type de dégâts. C'est-à-dire... On voit pas trop à quoi il est résistant, là. Défense au physique... Ben forcément, on peut pas pouvoir faire grand-chose, je ne sais pas. Réduction de dégâts. De tous les types, et lui il a pas de réduction de dégâts je crois. Si, de base, réduction de dégâts 5. Et atchoum ! On va tenter de faire le sort, voilà, comme j'avais besoin de faire. Voilà, l'autre il s'est fait défonce. Toi tu le termines, et moi pendant ce temps je vais me retaper lui. Il faut que je pense bien entendu à utiliser mes sorts, le renversement, etc. Hop. Toi tu vas revenir par là. Et voilà, on s'en a occupé, ça allait pas trop mal, ça aurait pu être pire. Allez, nous devons retourner au camp. On va récupérer l'arc, on a une armure en peau, une armure légère. Il y a des trucs là-bas, je vais pas retourner au camp tout de suite. On va prendre les sous-sous d'abord. Ouais, une bouteille. Une bière. Se fait les détails. Réduction de dégâts plus 1 pour 300 secondes. Pas mal ça. On peut boire une petite bière de temps en temps. Ou que j'aime ça. Alors qu'est-ce qui est marqué sur le feu là? Les empreintes situées autour du feu de camp ne sont pas nettes et remontent peut-être à plusieurs jours, voire davantage. Peut-être des bandits qui nous attendaient patiemment. Bon, du coup, on peut pas aller plus loin, là. Il y a toujours la musique de combat, alors qu'on est plus en combat, ce qui est assez triste. On se dit, c'est peut-être par rapport à l'ambiance du truc, vu que le camp est attaqué.
Ah, j'avais pas vu ça. Des champis. Faut toujours bien faire la map hein, dans ce genre de jeu. Vous verrez. Et là, je crois qu'on aura fait tout le tour. Il n'y a plus rien à visiter. Très bien. Je crois qu'on peut passer le jeu en mode plus rapide. Voilà, mode rapide actif. Comme ça, on peut bouger un peu plus vite. Elle est où, notre amie? Je ne l'ai pas ramenée. Ah, il y a donc... Il y a donc quand même des combats de ouf un peu partout. Ils nous ont vraiment pris en grippe. On va se charger du chasseur en premier lieu. Ah, c'est peut-être plus compliqué que ce que je pensais. On va la laisser tanker. Je vais utiliser pareil une vague mentale encore une fois. Non, pardon, pas une vague mentale en fait. Je vais utiliser ça. Pendant que toi tu vas renverser cet homme. Ah, elle s'est fait renverser elle-même. Ça c'est triste. Du coup, renverse-le s'il te plaît. Voilà. On n'est pas trop mal pour l'instant. J'aurais peut-être pouvoir claquer un autre renversement. Voilà. Ça fait mal hein, quand même. Alors, on a plein de trucs à prendre. Des nouveaux boucliers qui pourront peut-être être utiles pour les autres, plein d'armures. Peut-être que ça se revendra, donc autant les prendre pour l'instant. Je vais juste vérifier un truc. Ah non, mais j'ai pas de bouclier, elle a une torche en fait. Mais pourquoi une torche? Elles sont où ces armes? C'est un gourdin. 8 à 13 points écrasés. 13 à 19 en taillé. Est-ce qu'on lui met un bouclier du coup? Ça serait pas mal. On a déjà pas mal de DPS, je pense. Après, on peut lui mettre l'autre jeu d'armes également. Hein, enfin. Ça fait combien de dégâts ça? Âge de combat. 12 à 17 en taillé. Au pire, je pourrais changer le jeu d'armes comme ça. En fonction si j'ai besoin de dégâts d'entaille ou des dégâts. Propriété frappe ardente. En fonction si j'ai besoin d'écraser ou de trancher, vous voyez, entailler. Alors ça fait combien? 13 à 19. Alors j'ai un peu moins bien là. On va la faire tanker un peu plus pour l'instant. Ça serait pas mal. Enfin, même si on n'a pas trop besoin en fait. Je vous avouerai. Choisir un nouveau jeu d'armes, sélectionner l'icône arme dans la barre personnage, ok. Est-ce que je peux pas aller dans mes trucs pour la mettre devant elle? Yes. Ah mais il faut que je puisse aller dans le mode formation en fait. Je sais pas si je peux ouvrir le mode formation. Pour l'instant. Je sais pas comment faire. Hein. Putain, par contre ceci dit la caméra ne bouge pas super vite. C'est assez gênant. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau, écartés, et les yeux exorbités formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kalissa pose le dos de sa main gauche sur sa boucle comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Ou plutôt l'odeur en fait, je crois, je sais pas trop, j'ai mal lu sans doute. Une poignée de figures sombres se tiennent sur les cadavres et piétinent les membres, les dos et les têtes. Puis retirent sèchement leurs haches des corps comme s'ils étaient des bûches fendues, pour se préparer à vous ajouter à l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée et à l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Éodan, le dernier survivant dans votre caravane. Posez vos armes, intrus, ne renoncez pas à la vie et de cet homme pour un combat perdu d'avance. Je peux répondre avec connaissance quand même, la rune. On peut lui dire la ruine n'a pas été souillée par nos mains, homme d'air glamfat.
Vos paroles ne valent rien après avoir vu la vérité de mes propres yeux. Le sang doit couler pour cette intrusion. Vous disposez maintenant d'un classement pour la réputation relative à la disposition. La réputation indique comment votre personnalité est perçue dans le monde du jeu. C'est un personnage apprécie parfois une mauvaise réputation, car une bonne réputation fait souvent ressortir les pires facettes de certains personnages. Aucune disposition n'est fondamentalement bonne ou mauvaise en Pillars of Eternity. Mais si votre personnage principal est un prêtre ou un paladin, vous devriez veiller à ce que ses dispositions soient conformes à la volonté de sa divinité et de son ordre. Les dispositions du personnage principal uniquement modifient les effets de la capacité rayonnement sacré pour les prêtres et de la capacité foi et conviction pour les paladins. Alors je le redis, posez vos armes. Oh, puissance 14. Je peux pas, j'ai intelligence 13. J'aurais pu... Je pourrais lui dire intelligence 13, peut-être. Vous pouvez le tuer, mais vous pourriez tout aussi bien vous tuer vous-même. Je pense pas que ça marche, ce truc. Intelligence 15, pardon. En jugé par le collier de dents en animaux autour de votre cou, je suppose que vous êtes les adeptes de Galawain. Si Galawain vous imitait... Oh, pardon, vous intimait de ne plus protéger les ruines, le feriez-vous? Je sais, c'est ça. L'homme désapprouve et fait des mouvements comme s'il allait balancer sa hache. Et Odan grimace, mais le coup ne vient pas. Au lieu de cela, l'homme incline la tête intrigué. Bien sûr, mais il ne le ferait pas. C'est sur l'ordre de tous les dieux que nous acceptons cette charge. Comment le savez-vous? Est-ce que... Ah non, pardon. Est-ce parce que cela correspond à leur croyance ou bien à cause de ce que l'on vous a dit? L'homme lance un regard noir. Cela a toujours été su par mon peuple. Je vois. Et que faites-vous de l'édit de Galawain selon lequel la faiblesse et l'âge doivent être purgés par la jeunesse et la force? Vous pensez que Galawain voudrait de pierres décrépies et effritées pour survivre longtemps après que leur constructeur soit retourné à la poussière? Les naseaux de l'homme flamboient tandis qu'il fulmine. Non, il ne le ferait pas. Il nous a dit le contraire. J'en suis sûr, mais pas à vous personnellement. Mais pourquoi cela devrait-il vous empêcher de tuer des innocents? Distrait, la prise de l'homme fléchit sur la poignée de sa hache, et il la laisse presque tomber, donnant à Eodan le moment nécessaire pour se placer hors de portée de son geste, qui vient trop tard. Hurlant de rage, l'homme vous charge. Ok. Alors tiens, on a Eodan avec nous du coup. Eodan, mon cher ami marchand, toi tu es quoi exactement? Tu as aveuglement? Tu as l'air d'être un pauvre petit, on va te faire revenir en arrière, on va aller charger avec mademoiselle. Avec mon homme, on va utiliser, vous allez voir, un petit truc assez sympa qui s'appelle Vague Mentale. Voilà, on va utiliser Vague Mentale. Je crois que mon personnage va prendre aussi cher en fait. Je sais pas du coup s'il faut que je la jarte. Ah, ils ont pris. Je crois qu'ils ont pris. Il a réussi son jet. Et Odan est en train de prendre la misère. Et Odan est en train de prendre la misère. Toi, tu vas venir. Hop, renverser cet homme. Pendant que Odan s'enfuit. Odan, continue à t'enfuir s'il te plaît. Tu veux bien t'enfuir s'il te plaît? Merci. Parce qu'il est en train de prendre l'aggro comme un ouf. Il va mourir. Est-ce que je peux utiliser un sort sur lui sans doute? Et toi tu vas venir charger cet homme avant que mon petit Odan meure. Voilà. Et Odan, s'il te plaît, ne prends pas l'aggro. Merci. Voilà, ça devrait aller. On va utiliser aveuglement. Ok. Ouh. Eh ben, c'était chaud, hein. Dirigeant Glenfantan. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever. Ses compagnons réduits au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. À peine audible, sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure du vent attiser l'air.
Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en les fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Un étrange sourire traverse son visage. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp. Électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit en colère. Vous le sentez suinter sous votre peau, comme une jetée sous le point de succomber à une déferlante. Et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchiré en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, tailladé du buste aux intestins, le corps d'eau d'Emma s'agite, et au prix d'un grand effort, lève sa tête affaissée, les yeux à peine ouverts. Il vous regarde directement. Get inside. Run. Allez à l'intérieur! Courez! Mais non, je voulais prendre les items! Ah, il y a peut-être pas d'items en fait. Holy shit! What's happening? Le fameux. C'est le fameux Widan ou je sais plus quoi là? Le fameux maelstrom bizarre. Le vent dont il parlait? Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Putain, cette musique est ouf! Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne vous fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Eodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus, qui faisait le mort, se jette sur Eodan et le renverse sur le sol rocailleux. Ok, je peux choisir de faire un truc. Je peux pas faire dextérité 15, malheureusement. Immobilisé, Eodan frappe son assaillant épuisé, mais a du mal à briser son étreinte. Ils sont proches de vous, malgré le vent. Vu votre position, vous auriez une bonne chance de toucher votre cible si vous jetez votre arme à l'assaillant. J'ai pas de dextérité 15, malheureusement. Je suis obligé de jeter mon arme à l'assaillant. Vous avez bien visé. Le choc permet à Eodan de se libérer. Eodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension. Mais alors qu'il s'approche du sommet, une bourrasque le repousse sur le côté et lui arrache une main de sa prise. Mais vous vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui attraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces, faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Eodan arrive à poser le pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Ça fait un peu redite quand même deux fois rebord, là ça m'a un peu perturbé. Le vent forcier semble maintenant résonner d'un son grave. Vous le sentez dans la pierre sous vos pieds et dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres qui vous font face en les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portail entier commence de s'effondrer sous son propre poids. Ok. Ok, nous voilà donc dans une grotte. Est-ce que c'était... Haletant, les mots d'Eodan sont entrecoupés par sa respiration sifflante. Un biawak, ça ne peut pas être autre chose. Alors, nous avons de la chance d'être encore en vie. Et nous sommes les seuls. On ne peut pas rester ici, il pourrait y avoir un nouvel éboulement. On ne pourra pas sortir par là en tout cas. Allons voir à l'intérieur. Ok, nous voilà donc dans une grotte. J'aurais presque pu stopper cet épisode ici et vous en tourner un autre. Comme ça, je pourrais vous en tourner un petit peu plus souvent. Vous en sortir un par jour si je veux et tout. Ça pourrait être stylé. Je pense qu'on va faire ça, les petits amis. On va se laisser là, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous découvrez avec cette série, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les autres, je vous laisse mettre un pouce vert si cet épisode vous a plu. Et bien entendu, j'attends vos commentaires avec impatience. On se retrouve donc très très bientôt pour la suite de Pillars of Eternity. Allez, salut tout le monde, à la prochaine !